Elles sont nombreuses au Togo à aimer le sport, mais qui arrivent difficilement à s'exprimer à travers ce canal. La faute peut-être à un manque de leadership cultivé à la base, désormais pris à sa juste mesure pour être corrigé, notamment au niveau du volleyball. Le mécanisme, deux projets jeunes filles leaders par le sport et le développement du volleyball, lancé ce 28 novembre à Lomé. Un projet qui rentre dans le cadre des exigences et directives liées au statut de lauréate du trophée annuel CIO Femmes et Sport. Un trophée remporté en mars 2019 par Nathalie Mwameshi, vice-présidente de la Fédération togolaise de volleyball pour la session Afrique. Le dit projet se déroulera en deux phases. Une cause populaire des filles collégiennes et lycéennes des grandes villes du Togo en décembre prochain. Ça va servir de rassembler ces jeunes filles et de transmettre les messages sur les valeurs de l'olympisme, l'excellence, le respect, l'amitié et aussi de leur inculquer cette culture de la pratique sportive qui va développer en elles la confiance en soi, la détermination et le courage. Et le volet développement du volleyball féminin. Nous allons sélectionner des filles qui auront entre 10 à 14 ans, mais de grande taille, pour les soumettre à un programme d'entraînement et pour qu'elles puissent, dans les 3 années à venir, venir renforcer l'équipe féminine, cadette et junior du volleyball. Le projet est ambitieux et les acteurs clés du volleyball togolais y croient, bien sûr, tout en espérant l'appui des partenaires. J'y crois parce que ce projet va permettre le revenement des joueurs. Ce n'est pas un projet qui le rapporte à elle, mais c'est un projet qui rapporte à tout notre pays. Et je crois qu'il faut que les sociétés, des partenaires, autres, soutiennent le projet pour que ça fasse tâche d'huile. Ce projet est bien arrivé. Si c'est financé, je serai aux anges parce que nous avons déjà, au niveau de la fédération, un projet type comme ça, mais diversifié. Mais là, c'est plus concret. On aura des jeunes filles qu'on va essayer d'accompagner pour que demain, on ne manque plus de joueuses et que le volleyball togolais aille de l'avant. C'est donc parti pour 3 ans de mise en œuvre au profit du sport togolais en général et le volleyball féminin en particulier.